On peut faire un petit test avec Julie, euh, alors? Julie, vous avez envie oui. de faire? le faire? Allons-y. Premièrement, c'est la première étape. Il faut qu'elle ville. ok oui. Alors, Julie, on colle les deux pompes de main ensemble mm -hmm. avec les deux index qui pointent en direction. J'ai bien compris. La front, et on sépare les doigts. On fait un espace de 1 cm entre les deux doigts. Regardez l'espace ici entre les doigts. Mm. Servez-vous votre imaginaire. Imaginez que je place une vis ici. Là. Je prends la vis et je serre la vis. Regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder vos doigts se rapprochent non, et se collent bien. encore de plus en plus fort, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Et je colle vos doigts. Et vos doigts resteront coincés à mon signal au compte de 3. Et avec le un, vos doigts collent maintenant. Avec le deux, il sera pour vous impossible de les bouger, impossible de les séparer. Et avec le trois, vos doigts ne bougent plus. Coincés dans cette position. Impossible de les bouger, impossible de les séparer. Vos doigts restent coincés. Et les maintenant... doigts sont coincés Bah ben oui. Vous arrivez à les décoller c'est s'est collé sous des... <laughs> vous avez mal Ça fait mal Mais non, mais c'était bizarre. <laughs> ça fait quoi, Julie Expliquez-nous ce que ça ben, fait. Ça, 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 ben, il s'attire. Il, il, il y a un truc de magnétisme, il y a quoi Non, non, pas du tout. C'est votre subconscient qui accepte la suggestion et consciemment, vous luttez, mais votre subconscient, lui, accepte cette suggestion. Alors, il y a une distorsion entre le rêve et la réalité ouais. qui se produit dans un état second comme ça. Ça ne pas. Ouais. On l'entend même plus, dis donc, revenez souvent. Hein. <laughs>